c'est de la bonne. Et on est en pleine saison des foins aujourd'hui au Haras des Rouges. Nous sommes à Saint-Ébremont de Bonfossé. Nous sommes dans la Manche, pas très loin de Saint-Lô, chez Xavier et Valérie Le Raid. On les retrouve tout de suite dans les prés. Et bonjour tout le monde. Alors une fois n'est pas coutume, on n'est pas avec des foals, mais des chevaux à l'entraînement, enfin du moins, qui se reposent. Et on est avec Xavier. Bonjour Xavier, ça va? Et toi, ça va bien? Très bien. Oui. Qu'est-ce que tu nous présentes là? Avec qui es-tu? Les deux chevaux qui sont avec moi, donc celui-là, le grand B, c'est Balkman, Malco et la Virco garde royale. C'est un cheval qui a couru à Auteuil groupe, qui a été placé de groupe 3 et qui a couru groupe 1. Et derrière lui, Rednem, gagnant de donc Listel, quatrième de groupe 1. Voilà, c'est les deux premiers chevaux qui ont couru groupe, qui sont nés ici, que la famille Papeau a acheté foal. Voilà, c'est des poulains qui nous ont apporté beaucoup de plaisir. J'imagine. Ils vont retourner à l'entraînement bientôt? Ils vont retourner à l'entraînement, le premier Rennem dans peu de temps. Je pense qu'il sera en course au mois de septembre, octobre, et donc Backman à la suite. Et en termes de naissance cette année, qui sont les futurs Balkman et Rednem? En termes de naissance cette année, on a eu, je crois, 9 poulains. Les futurs, c'est difficile à dire, hein, parce que même en faisant des croisements qu'on estime bons, il y a une jument qui nous porte beaucoup de plaisir aujourd'hui. Marie-Octobre, la Delamy, qui a fait ce week-end gagnant Chantilly. Et j'ai deux poulains d'elle qui, je pense, vont être les successeurs de ces chevaux-là.